Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 35 ans et je suis la formation CAP chez YouSchool. Je suis une fan absolue du sucré depuis toute petite. J'ai voulu faire plaisir à ma fille et donc j'ai confectionné beaucoup de gâteaux et c'est devenu tout simplement une habitude de tous les week-ends. Je travaille, j'ai 3 enfants à la maison. La formation m'a permis justement de trouver un juste milieu sur mes temps libres et mes temps moins libres. Je suis en reconversion professionnelle, le but étant de faire de la pâtisserie, mon métier de tous les jours, puisque je vends actuellement des assurances et c'est pas un milieu dans lequel je m'éclate. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez YouSchool, c'est la plateforme. C'est un lieu de rencontre avec les autres personnes qui se forment comme nous, mais surtout la disponibilité des professeurs. Lorsqu'on poste une recette, on a un retour rapide et très précis sur ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait et pas mal d'astuces. Je suis sur la formation depuis maintenant 1 an et demi. J'ai commencé assez timidement et je suis revenue d'attaque à partir de septembre. Donc là, à fond depuis septembre et j'attends mon passage d'ici quelques semaines. J'aime bien travailler seule et puis quand j'ai besoin d'échanger sur la plateforme, il y a toujours les professeurs qui sont disponibles. C'est pareil sur les réseaux, on se retrouve avec pas mal de candidats avec qui on échange, donc on n'est pas seul. J'arrive à reproduire les recettes YouSchool. Il faut savoir s'équiper et à partir du moment où on a le bon équipement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. J'ai comme projet après le CAP de me perfectionner, de travailler différentes matières aussi. Tout ça c'est important puisque j'ai effectivement le projet d'ouvrir ma petite boutique de gourmandise. C'est surtout de s'organiser, de ne pas se réveiller les derniers mois. Dès que vous avez travaillé un cours, faites-vous une fiche. Ce sera plus facile après pour réviser pour vous. Faites-le petit à petit et croyez en vous. La masterclass a été pour moi vraiment un bon moment. On se retrouve dans des locaux professionnels et j'ai eu l'occasion de passer un CAP blanc. Donc là, on se retrouve vraiment dans les conditions du CAP. J'ai rencontré aussi des passionnés comme moi avec qui je suis devenue très proche. Ce qui est très agréable parce qu'on se motive tous ensemble. C'est la recette de la tarte au citron que j'ai réveillée un petit peu cet été en la revisitant en version mojito.